copains. Qu'est-ce que vous faites pour les vacances? Qu'est-ce que tu fais, Gérard? Tu pars où? Je pars en voyage, loin, jusqu'au Japon. C'est vrai? Ouais. T'as peur qu'on te suive ou quoi? Il a pris un aller simple. Ouais. Moi, j'hésite. J'hésite entre Miami et Arcachon. Bon, on verra. Voilà, en attendant les vacances, on va passer au baillon fort. Premier baillon. Un laboratoire militaire du Pentagone a proposé une nouvelle arme biologique, laquelle? Est-ce que cette arme a un rapport avec la sexualité? Bah oui, eh bien, comme Gérard Miller, la bonne réponse, je la donnais avant lui, c'est une bombe qui rend homosexuel. Non. Non, qui rend homosexuel. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Une bombe gay. Le laboratoire White de l'armée de l'air à Dalton réclamait 7,5 millions de dollars pour développer cette bombe contenant un produit chimique aphrodisiaque qui entraînerait un comportement homosexuel censé affecter le moral et la discipline des unités ennemies. Moi, je trouvais ça sympa. Jérémy Michalak a l'immunité. Contre qui vous votez? Je vote contre Stevie. Ouais, qui a dit ouais? Attends, ne change pas! Empêche-le de changer! Je vote contre Stevie. Oh. Valérie! Mais on s'était pas donné le mot, mais on peut pas voter contre le petit crétin. On s'en fout, de toute façon, c'est pas moi qui vais partir, alors. Merci. Stevie, contre qui tu votes? Valérie! Valérie. Quel hasard! Valérie! Putain, qui a écrit ça sur ma pancarte? Ah, Valérie! Ah, Valérie! Deuxième baillon. C'est ex-aequo, tu pourrais changer d'avis? Quelle fut la réaction d'un Japonais après qu'il ait reçu du livre Guinness des records son certificat d'homme le plus vieux du monde? Il s'est suicidé! Non, il n'est pas mort, non, il ne s'est pas suicidé. Il s'est marié? Non. Il a écrit pour dire qu'il était en fait plus jeune que ça. Non. Ou plus vieux? Non. Il a perdu une dent? Non. Est-ce qu'il a été satisfait? La salle qui est restée? Non. Il s'est excusé. Bonne réponse! Caroline Diamant. Il a présenté ses excuses. Il est confus d'avoir vécu si longtemps. Le nouveau doyen de l'humanité s'appelle Tomoji Tanabe. C'est un japonais âgé de 111 ans, détenteur de la palme de la longévité mondiale. Le Japon compte près de 30 000 centenaires, dont une majorité de femmes. Bonne réponse de Caro. Donc, mon petit Gérard, contre qui tu votes? Contre Jérémy. C'est pas très sympa, ça. Elsa. Contre Jérémy, c'est pas très sympa, ça. C'est pas très sympa, ça. Bah, contre Gérard Miller. contre Gérard Miller. Dommage parce que Gérard pose des questions qui font avancer les choses. C'est tout, c'est vous. Oui, enfin, bien sûr. Que pour lui. Troisième baillon. Le concours de Miss et Mister Espagne s'ouvre à de nouveveux participants, lesquels? Des vieux. Transsexuels. Des vieux. Transsexuels. Bonne réponse de Sylvie Boulay. Mère et transsexuelle à vie. Mister Espagne. Cette décision a été prise après l'exclusion polémique en février dernier d'Angela Bustillo, mère d'un enfant de presque 3 ans et remerciée 14 jours après avoir été élue Miss Cantabri. Alors pour les transsexuels, il est juste exigé que leur morphologie corresponde à leur état civil. Je trouve que quand même, c'est une avancée. Je ne sais pas si ça va plaire à Madame de Fontenay. Non. Geneviève, les transsexuels chez Miss France. Jérémy, est-ce que tu peux nous montrer pour qui tu votes? Oui, je peux vous montrer. Oh, je m'attends au pire. Bah, tu fais bien. Elsa. Caroline. Oh, oh, quel suspense. Jérémy. Alors, bah, attendez, Elsa, là. Au revoir. Eh ben, Elsa, au revoir. J'ai cru. Merci. Pas grave. Pour quelle raison le sénateur italien Gustavo Selva s'est-il retrouvé dans une ambulance lors d'une manifestation anti-Bush? Moi aussi. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a une ressemblance avec quelqu'un? Non. Est-ce qu'il a eu un problème de santé quelconque? Non. Est-ce qu'il portait un panneau où était écrit quelque chose? Non. Est-ce qu'il sortait avec un ambulancier? Non. Il est tombé dans les pommes? Non. Il a fait quelque chose?
Comment ça, il a fait quelque chose? Non. Est-ce qu'il a fait quelque chose? C'est-à-dire? Nous, on sait, on s'est vérifié. Alors, il n'a pas un malaise? Il n'avait pas de pépins de santé. Il n'avait pas de pépins de santé. Ah, trop d'acrymogène. Est-ce qu'il y a un rapport avec George Bush ou pas? Avec la personnalité de George Bush? Ça bug, hein, non, ça mais bug. Il avait rendez-vous quelque part à propos de la manifestation anti-Bush. Et bien, pour aller plus vite, ils ont pris une ambulance. Bonne chance de Caroline Diamant. Pour arriver à l'heure, il était attendu à la 7 pour un direct sur la manifestation anti-Bush. La place du Parlement était interdite aux voitures. Ce petit jeu a mobilisé un chauffeur et deux médecins de garde affectés à l'ambulance, mis à la disposition par le Parlement. Le sénateur, confronté à un tollé de protestation, a dû démissionner, carrément. Eh ben, dis donc. Voilà. Il y a plein de stars qui le font. Hein. Oui, il y a des stars qui le font, mais c'est pas bien. Et surtout, c'est pas bien. Surtout si c'est remboursé par la Sécurité sociale. C'est pas bien. Contre qui tu votes, Stevie, puisque Caro a l'immunité. Jérémy. Stevie. Mais qui vote. Stevie. Au revoir, Stevie. Ce ne sont pas tes amis, Stevie. La dernière est très mignonne, vous allez la trouver un peu vite. Oui. Tom, 4 ans, a attaché un message sur un ballon à hélium pour trouver un correspondant à l'étranger. Chez qui a atterri son message? Chez Michael Jackson. Non. Je cherche un ami. Je suis amusé sur un ballon à hélium pour me correspond à l'étranger. Dans un zoo, chez mais les zoos. Non, mais non. Il s'appelle Tom, c'est Tom et Jerry. Hey. Ça atterrit, c'est Jerry, c'est ça qui... Mais non. Alors déjà, chez une personnalité. Oui. Où est-ce que oui. ça se passe? Aux États-Unis probablement. Non. En France. Non. Ah, c'est genre... Ça se passe en Angleterre. Oui. Chez Tony Blair. Non. Non, et ben chez la reine d'Angleterre. Bonne réponse. Voilà. Quelques jours plus tard, Tom a reçu sur du papier en tête « Sa Majesté la Reine me demande de vous faire savoir qu'elle a été ravie de trouver votre ballon dans le parc de Windsor », écrivait le secrétaire de celle-ci. Depuis, la Reine et Tom correspondent régulièrement, dit-on, parce que je ne vois pas le petit enfant de 4 ans qui écrit, je ne sais pas, ou alors il est très précoce. En tout cas, c'est une bonne réponse et c'est donc à notre amie Caroline que va échoir le privilège d'inviter notre invité. Notre invité de la semaine est un élu, un des rares DJ de l'histoire à être devenu une pop star. Groove House, voix gospel, son acide ou new wave, ses tubes nous trottent dans la tête et dans les mollets. On a tous dansé sur Love, Don't Let Me Go l'été dernier. Cette année encore, il va cartonner dans les afters d'Ibiza. Je vous demande d'accueillir David Guetta. C'est un accueil spontané. Tous les invités ne sont pas acclamés comme ça. Non, tous les invités ne sont pas accueillis de cette façon. Et je n'ai payé personne. Et c'est vrai, David, que vous êtes devenu vraiment alors, une star incontournable. Alors, vous êtes ici, vous êtes un des DJ les plus connus de France, sinon le plus connu. Vous êtes avec nous ce soir pour la sortie de votre troisième album studio Pop Life, ainsi que pour le single Love Is Gone, extrait de l'album. Et vous êtes également en tournée mondiale depuis le 20 avril dernier. Et vous avez fait la première partie de George Michael au Stade de France. D'accord, parce qu'en fait, on parle au passé comme si c'était hier passé, c'est ça? Mais c'était quand? C'était hier soir. Quand les gens... Ah bon? Quand les gens vont nous voir, effectivement, ça sera déjà, l'événement sera passé. J'imagine que quand même, ça doit faire vachement plaisir quand on reçoit cette proposition-là. Ah, j'étais super flatté, d'autant plus que je vais faire une double couche de frime. C'est-à-dire que... J'y serais, attention, enfin j'y étais. Donc j'ai la première couche de frime qui est déjà pas mal, George Michael au Stade de France. Ah ouais, c'est énorme. Et la deuxième couche, c'est pourquoi George Michael m'a proposé ça? Oui. Parce que son manager était là quand j'ai fait la première partie de Madonna. Et là, ça fracasse. Là, ça tue. Donc il a beaucoup aimé, il m'a proposé de faire cette deuxième partie, cette première partie.
La deuxième, il faudrait que j'attende encore 50 ans, je pense. Alors moi, je vous ai connu comme patron de boîte de nuit. Moi, pour moi, vous étiez les patrons de boîte de nuit. Et vous étiez... Parce que vous êtes tout discret. Moi, la première fois que je vous ai vu, je me dis, mais ce petit jeune homme, il fait très bien élevé, très premier de la classe. On voit plus ma femme que moi, c'est vrai. Tu vois, et puis vous êtes... Moi, je suis un peu plus introverti peut-être qu'elle. Ouais. Mais comment vous avez fait pour être les rois de la nuit? En fait, moi, j'ai commencé par la musique. En fait, moi, c'est toujours des histoires de complémentarité. Ouais. J'ai la chance extraordinaire d'avoir rencontré la femme la plus extraordinaire du monde. Ouais. Et à mes yeux... Vous êtes amoureux, en plus. Et, 18 ans ensemble et je suis toujours amoureux comme un fou. C'est grâce à elle, vous dites, que vous avez été les rois de la nuit. Parce que, au début, je travaillais pour des patrons qui voulaient m'imposer la musique que je devais jouer. Et la seule manière que j'ai trouvée pour pouvoir jouer la musique que j'aimais, c'était d'organiser mes propres soirées. Carrément. Et puis, à force de succès, elle avait par contre un côté relationnel magique. Ah ouais, elle est magique, ouais. Et puis, elle sait vraiment recevoir les gens. Ah oui. Elle aime les gens. Elle vous fait croire que vous êtes une star, même non, parce mais que moi, j'étais rien du tout. En fait, le truc, et c'est marrant, parce que souvent, les gens nous ont demandé, mais comment vous avez fait... pour connaître plein de célébrités et tout ça. Et c'est exactement pour ça, c'est parce qu'en fait, il y a plein de gens qu'on a connus quand ils venaient dans nos clubs et qu'ils étaient complètement inconnus et puis on les a bien reçus et après ils s'en sont souvenus, quoi, c'est ça. Je te jure, il y a des mecs qui sont à la télé aujourd'hui, pendant 10 ans, ils n'ont pas pu rentrer dans la boîte, ils se sont fait tricard tous les samedis soirs, j'en connais. Il y en a même peut-être autour de la table. Tiens, Michalak, par exemple. Michalak, par exemple, qui est sur scène. Alors ça, je te crois pas. Mais ça, c'est parce qu'il y a une toise à l'entrée, mon chéri. Moi, dans les 60, tu rentres pas, donc j'ai pas pu y aller. Est-ce que c'est vrai, David? Non, lui, je le crois pas, c'est pas possible. Alors attends, parce que lui, il a la tête parfaite du bon client de boîte de nuit. Vous dites, David, que votre nouvel album, c'est ce que vous avez fait de mieux. C'est le meilleur que vous ayez fait. Qu'est-ce qu'il a de plus? Pourquoi il est meilleur, celui-là? Ça a mis du temps. C'est-à-dire que maintenant, ça fait 5 ans que j'ai du succès dans la musique. Et chaque fois que je vais en studio, c'est-à-dire tous les jours, j'apprends des nouvelles choses. C'est ça qui est extraordinaire avec la musique, c'est qu'on apprend toujours. Et je pense que les progrès, on les entend. C'est un album qui est plus abouti que ce soit en termes de production ou d'écriture musicale. Voilà. Alors, je vais vous laisser juger par vous-même avec un extrait magnéto de Love Is Gone, tout de suite. On parle de vous comme DJ, comme musicien, mais la seule fois où je suis allé dans une de vos boîtes, c'était pour l'émission de Laurent Ruquier, c'est lorsque vous aviez inauguré près des Champs-Élysées une boîte de striptease avec votre femme. Oh, qui allait pour Laurent Ruquier, qui serait allé tout seul, hein. J'y suis allé et donc j'ai vu un type de striptease que je ne connaissais pas en France, c'est-à-dire des femmes qui font du striptease à quelques centimètres de vous et que vous pouvez éventuellement emmener dans une pièce à côté où il ne se passe rien d'autre que du striptease. D'accord. Et je me suis dit quand même, c'est étonnant, c'est-à-dire que quand on rentre dans ces lieux-là, la musique est importante, la boisson est importante, mais évidemment, les filles sont le plus important. Et je me posais la question, vous avez donc tout un ensemble de filles à travers le monde que vous pouvez faire venir, dénuder comme ça dans les boîtes. C'est comment vous avez recruté? Il n'a jamais réussi, Il faut savoir, que... En ça fait, l'intéresse, depuis, le boss. Malheureusement, je ne peux plus vous pistonner parce que depuis que ça marche vraiment bien pour moi dans la musique, j'ai pris la décision de vendre les boîtes de nuit parce que j'ai plus envie du côté business de mon activité qui... m'avait un peu emmené malgré moi, parce que j'avais beaucoup de succès dans les clubs que je faisais avec ma femme. Mais ça ne voulait pas pour autant dire que j'étais toujours très heureux. Et puis en vieillissant, on se demande... En grandissant, voilà, essayer d'être le plus heureux. Retouchez-moi.
Vous n'étiez pas très heureux parce que c'est pas si agréable que ça de diriger ce type de boîte. Moi, je l'ai trouvée légèrement choquante. C'était pas un bordel, bien évidemment. Ah, je suis pas du tout d'accord. Non, mais je vous pose la question. Est-ce que c'était un lieu qui vous déplaisait ou pas? Dans tout ce qu'on a toujours voulu faire, on a toujours voulu un peu surprendre les gens et amener des choses qui n'existaient pas au lieu de copier ce qui existe, ce que font à peu près la plupart des gens qui font tout, d'ailleurs, pas seulement des boîtes de nuit, mais aussi des émissions de télé, comme vous le savez. Et donc, c'est un concept qui n'existait pas. Et moi, je trouvais ça sympa. Quand j'allais à Miami, avec ma femme d'ailleurs, on allait dans des clubs comme ça, et on trouvait ça très sympa. C'est pas des clubs échangistes, c'est pas de la prostitution, voilà. C'est une salle de spectacle, et je l'assume totalement. Et c'était vraiment un beau moment, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont passé des bonnes soirées et qui continuent. Moi, j'ai une question plus perso. Vous êtes déjà papa, vous avez un petit garçon qui s'appelle Tim Elvis, il y a le deuxième qui est en route. Est-ce que vous avez trouvé un autre prénom encore plus rock'n'roll que le premier ou pas? Oui, parce que du coup, en fait, la vraie histoire, c'est qu'il... Il devait s'appeler Elvis, et il s'appelle Elvis d'ailleurs. Et puis je suis arrivé à la mairie. Il est beau, hein. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis arrivé à la mairie et j'ai eu un coup de panique en me disant, mais imagine qu'il veuille devenir banquier ou un truc comme ça. Et moi, j'ai envie que mon fils vive de manière passionnée comme nous, on le fait. Ouais. Et peut-être qu'il n'a pas du tout envie d'être artiste, et peut-être que Elvis, ça va être un peu dur à porter. Donc j'ai rajouté Tim. Et puis finalement, Tim, on l'appelle Elvis et il ne se reconnaît que quand on l'appelle Elvis. Mais voilà, au moins il aura la possibilité s'il veut et faire le deuxième, un métier. Le deuxième, j'ai pas encore trouvé le nom. C'est un tout garçon? Simplement parce que c'est un secret. On ne dit pas si c'est un garçon ou une fille. On le sait, mais on le dit pas. Et qu'est-ce que vous préférez? Mais il est obligé de dire le sexe. Il paraît que c'est génial. Il paraît que c'est génial quand on a un papa et qu'on a une petite fille. Il paraît que c'est extraordinaire. Il paraît que c'est génial. Oui, c'est vraiment génial. On dirait un présentateur de télé à 19h30 le soir des élections qui ne dit rien mais qui dit tout en même temps. Alors tiens, ça c'est pour le. Franchement, David, regardez, prenez ce micro, tirez sur la petite ficelle. Écoutez-moi. Écoutez. Là, c'est mignon. Celui-là. Ah bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu rigoles, c'est un DJ. Qu'est-ce qu'il faut faire? On tire sur le petit truc. C'est quoi le rapport? Maintenant, il faut enchaîner les deux disques. La question, David Guetta. Oui. Est-ce qu'un DJ, un grand DJ, famous, il berce son bébé avec ça? Et est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas mieux? Est-ce que vous pourriez pas faire une boîte à musique? Je vais vous expliquer, moi, Guetta. ce que je fais tous les soirs avant de coucher mon fils. Oui. Il a un tambour. Votre fils? Moi, j'ai des maracas. Et on a un tambour. Et Cathy prend le tambourin. Super. Et on joue tous les trois ensemble avant d'aller se coucher. Mais attendez, vous l'endormez au tambour? Exactement. Et au maracas. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Allez, démonstration de David Guetta avec ses. Je veux que ça soit... Si vous ne les chauffez pas, ils seront... tant pis, hein. Ouais, ça risque d'être... Je veux vraiment pas que vous croyez que c'est parce que c'est mon disque, mais c'est vraiment parti pour être le tube de l'été. Non, attendez. Je voudrais que vous fassiez un peu mieux, parce que j'ai bien regardé le public,
Si la caméra est là, tout le public ici est absolument déchaîné. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a aucune exception. Et là, ça madame, je vous ai bien dit, ne s'est pas levé. C'est toujours la faute du DJ. Alors, c'est la faute du DJ. Mais votre musique a changé la vie de beaucoup de monde, mais surtout d'une personne. Elle s'appelle Sophie Monnier, elle est secrétaire dans une société de volets roulants. Merci d'accueillir Sophie Monnier. Alors, bonsoir Sophie. Bonsoir. Rassurez-moi, vous n'allez pas travailler comme ça avec... Pardon, qu'est-ce que vous dites? J'ai pas entendu. Qu'est-ce alors déjà, j'ai du mal à faire les lancements. Ah oui, excusez-moi. Voilà, je vous dis que j'avais ça dans les oreilles, ça fait partie de mon équipement techno. Ah, je peux parler moins fort maintenant, oui, d'accord. Bonsoir. Rassurez-moi, Sophie, bonsoir. Bonsoir. Vous n'allez pas travailler comme ça avec ce costume? Non, pas du tout. Non. Là, c'est samedi, je suis venue en costume du week-end. D'accord. Voilà. D'ailleurs, dans ce costume, je m'appelle pas Sophie Monnier, je m'appelle la Vénitienne. Oui, rapport au déguisement, au carnaval, de Venise, tout ça. Non, rapport au store, Vénitien. Store Vénitien. C'est une collègue de bureau qui m'a trouvé ce surnom. Alors, Sophie, en quoi David Guetta a changé votre vie? Oh, ben ça, c'est le jour où Isa, ma copine Isa, m'a proposé de me ramener dans sa Twingo en rentrant du bureau, parce que je conduis pas, j'ai pas le permis. Ouais. Et elle a voulu me faire écouter dans la Twingo, dans l'autoradio, le titre de David Guetta, vous savez, Love and Let It Go. Non, c'est vrai. Je suis devenue une raveuse déchaînée, je suis de toutes les raves, j'ai même fait la bête rave à Londres. Non, c'est vrai, parce que moi, ce que j'aime bien dans la techno, c'est que c'est facile à danser. Il y a trois mouvements à retenir. Il y a celui-là. Bon, en l'air. Celui-là, le moulinet. Et les essuie-glaces, comme ça. C'est simple. Moi, j'aime bien. Non, parce que... En plus, si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Hein, parce que moi, la danse, au départ, c'était pas gagné. Hein. Dans les années 80, c'était super dur de danser. C'était moins simple que la techno. Dans les années 80, c'était des trucs super compliqués. Jeanne Masse, par exemple. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que les montagnes de douleur. Oh. Oui, c'était dur. Bon, alors, David, je vous ai suivi partout. Hein. Même jusqu'à Ibiza, qui est un petit peu le Saint-Jacques de Compostelle, hein, pour les gens de la techno comme nous, hein, c'est un pèlerinage. Et moi, j'aime bien parce qu'à à Ibiza, c'est vachement bon enfant, il y a une bonne ambiance, il y a même des gens qui donnent des bonbons aux gens qui dansent, tout ça. Des bonbons? Oui, des bonbons multicolores, vous savez, comme ça qu'on met sous la langue. Et alors après, on a une pêche d'enfer et on danse pendant plusieurs jours d'affilée. Ouais, moi, une fois, je suis rentrée en boîte de nuit un samedi soir. J'en suis ressortie un mercredi matin. Non, et puis alors, bon, par contre, faut se méfier des bonbons quand même, hein, parce que moi, une fois, j'ai fait un mauvais trip. J'ai dû tomber sur des bonbons un peu périmés. J'ai tout fait dans la même soirée. Hein. J'ai demandé un labrador en mariage. J'ai fait l'amour avec la mère. Et j'ai mangé un crabe vivant, comme ça. J'ai ramassé sur le sable, direct dans la bouche. Ah, sans mayonnaise. Non, bah, David, encore merci. Hein. Merci pour votre musique, vous avez changé ma vie. Et puis, on se verra au mois de septembre, à la Technoparade. Je serai sur le char numéro 6.
les drugstores. Avec Isa, on va jouer des persiennes. Allez, salut. Merci. De votre album Pop Life et du single Love Is Gone, premier extrait de l'album. Je rappelle aussi que vous êtes en tournée mondiale dans toute la France. Non, non, oui. Au revoir. C'est beau bébé, hein, cher bébé. C'est beau bébé. Bisous à Cathy. Et on va maintenant accueillir Françoise Laborde. Merci. Ah, j'y tenais. On est assorti. Oui, on est assorti. C'est bien. On est mignonne, hein. Donc voilà, mesdames et messieurs, deux quinquas. Deux quinquagénaires et fiers de l'être. Bravo. Voilà. Ça fait plus de 100 ans, elle. Alors, Françoise, je suis ravie. Oui, ça fait plus de 100 ans, elle, de... Oui, précisément. Petit voilà. Je suis contente, Françoise, parce que je vous aime énormément. Je ne vous connais pas. Oui. On s'est rencontrés dans les couloirs de France 2, enfin, dans une petite soirée France 2. Oui. Et j'ai découvert une nana, mais vraiment que je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire, effectivement, quand vous présentez les journaux télévisés, bah, vous avez... Il n'y a pas trop matière à... Non, un peu la gueule de circonstance, parfois. Il faut être un peu... Et en fait, vous êtes complètement folle, comme moi. Un peu, oui. Et ça, on aurait pu inverser les rôles. Oui, non, moi, le journal télévisé, voyez, non, vous voyez... Ça, on se serait poilé. La grosse poilade. Surtout comme tu lis bien le prompteur. J'ai des petits problèmes de prompteur. Mais que la gueule du JT, elle ferait... Putain, mais je sais pas, je comprends pas ce que tu me dis. Oh, Catherine, l'oreillette merde. Alors, Françoise est avec nous ce soir pour un livre qui s'appelle « C'est encore mieux à 50 ans », je confirme. C'est sorti aux éditions Fayard. Et alors, c'est vrai que vous êtes une quinquagénique, hein, on peut le dire. Comme si je m'en dis. On vous connaît bien sur France 2, mais je tiens à dire qu'il n'y a aucun copinage dans le fait que vous soyez là ce soir. Je me suis vraiment marrée en lisant ce bouquin. C'est vrai ? Mais oui, parce que j'ai retrouvé mes angoisses et mes satisfactions, mes pseudo-satisfactions de vieille. Tu sais, quand... Non, il ne faut pas dire vieille. Il faut dire femme séduisante de 50 ans. On dit, voilà, quand même. À 50 ans, on n'est pas vieux. Alors, avant de donner la parole à mes petits copains, vous conseillez aux femmes de 50 balais de faire leur outing, mais vous savez qu'elles ont du mal quand même. Oui. Les 50 ans, j'ai l'impression que ça, ça chiffonne. Mais oui, parce qu'en fait, ce qui chiffonne, c'est entre 45 et 50. C'est tant qu'on n'y est pas arrivé. Après, une fois qu'on y est, on se dit finalement, c'est pas si grave, c'est bien. Et j'ai fait mon outing, comme vous dites, je les revendique, parce que moi aussi, j'ai menti. Vous êtes de quelle année ? 53. Mais ah moi, oui, vous êtes vieille, vous. Moi, je suis jeune, je suis de 56. Ah, bah vous. Bah oui. Je suis une jeune quinquin. Bah oui, attendez, moi, je suis une 53, donc j'ai 54. Et un jour, j'avais décidé d'arrêter les compteurs à 45 ans. Ah, et un jour, mes fils m'ont dit, mais maman, tu avais déjà 45 ans l'an dernier. Et là, j'ai pensé qu'il fallait vraiment arrêter de tricher, que c'était pas raisonnable. Alors, dans votre livre, vous évoquez ces jeunes filles magnifiques qui arrivent à l'info, syndrome Mélissa Theuriot. Est-ce que c'est angoissant pour une nana? Vous êtes jolie, Catherine, mais c'est vrai que... Françoise. Mon père s'est trompé toute sa vie. La famille. Voilà, ça fait rire, Gérard. Mais Gérard, je suis désolée, elle a une sœur qui s'appelle Catherine, on la connaît quasiment... Mais oui, mais elle, c'est Françoise. C'est Françoise. C'est pas grave. Alors, est-ce que franchement, Françoise, le syndrome de ces petites nanas qui arrivent à la présentation du journal, ça vous a fait flipper un moment? Non, ça ne m'a pas fait flipper. Ce que j'ai trouvé dommage, simplement, c'est deux choses. C'est d'abord de me dire que ces jeunes filles et ces jeunes gens qui naissent à la présentation et qui n'ont rien connu d'autre du journalisme que la vie des studios, il manque quelque chose quand même pour eux. Et j'ai l'ambition de croire qu'être journaliste, ce n'est pas simplement vivre dans un studio avec une climatisation qui fonctionne parfois, mais parfois pas. Et à 50 ans, on a des vapeurs. Intéressant que ça marche. Mais vous avez des yeux plus joli que ceux de Mélissa Theuriot. Si on peut faire
Jean-Louis Cap, un gros plan sur ses yeux bleus, parce que finalement, cette Françoise, on la voit toujours en femme tronc, mais moi, à 2 cm, elle a des yeux de... Mais en femme tronc, on voit les yeux. Faites ta bombe sexuelle. Elsa. Moi, ça m'a beaucoup amusée, même si je me sens pas encore concernée. Évidemment. Mais c'est vrai que ça change, parce qu'on a eu les problèmes existentiels des trentenaires. Ça fait 3 ans qu'on nous bassine avec à 30 ans, c'est difficile. À 30 ans, on n'est pas bien. À 30 ans, on se cherche encore. À 50 ans, c'est pas mieux. Donc, est-ce que c'est optimiste ou pessimiste? J'en sais rien. Moi, je me suis beaucoup amusée sur beaucoup de choses, mais entre autres, j'aimerais parler avec vous de votre côté look vestimentaire. Moi, oui. Je me suis beaucoup... De temps en temps, vous l'avouerez, c'est quand même un peu carnaval et compagnie, votre histoire. Je vais vous citer. Vous parlez d'une soirée, c'est dans les premières pages du livre, et vous nous expliquez comment vous vous apprêtez pour cette soirée. Vous dites le lendemain soir, tout de même, je soignais particulièrement ma tenue et le reste, 3 points de suspension. J'inaugurais même une ravissante paire de bas à jarretière sous une petite jupe en tulle noire rebrodée de pastilles multicolores du meilleur effet. Mes bottes rouges, mon petit caraco noir et pour couronner la panoplie slave, ma fourrure et ma toque. Un coup d'œil dans le miroir avant de sortir me confirma que l'ensemble était très saillant. Oui. Est-ce que vous êtes bien sûr qu'avec tout ça, c'était vraiment... C'est en plein hiver, quand on est habillé avec une petite tenue slave et qu'on met un manteau et une toque par-dessus pour affronter la bise de l'hiver, ça le fait. Et pas que la bise de l'hiver, puisque vous avez... Et d'autres, et d'autres parce à venir. Parce que vous avez rencontré un mec ça a marché, la à 50 balais. Oui, à 50 balais. Et vous êtes tombée amoureuse. J'ai rencontré l'amour de ma vie. Absolument. Et vous avez couché le premier soir. C'est écrit. On peut avoir 50 ans et être une salope. Non, mais moi je ne couche que le premier soir. C'est bien. Alors c'est au compte. Mais oui. Alors Gérard, 50 ans. Est-ce que c'est encore mieux à 50 ans? On sait bien. Il a 60 ans, toi. On sait bien. C'est pas vrai. Tu plaisantes quand même. On sait bien que les âges sont toujours très relatifs. À un moment donné, on a dit que la femme de 30 ans était finie. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est à quel moment vous avez senti, avant 50 ans, qu'il y avait des choses à faire maintenant et qu'on ne fera pas plus tard. Moi, j'ai senti ça autour de 40 ans. Je me suis dit, si je ne fais pas certaines choses maintenant, je ne les ferai jamais. C'est une très bonne question, mais les choses que je ne ferai jamais, j'ai commencé très tôt. Par exemple, à 20 ans, j'ai su que je ne ferais jamais de sport et je n'ai jamais varié sur cette question. Et donc, j'ai pas attendu 50 ans pour me décider. Et puis, bon, si on va sur ce chemin-là, on peut considérer que chaque jour est un renoncement et que chaque choix est un renoncement et qu'on renonce toujours à quelque chose. Donc, mais en même temps, honnêtement, je suis arrivée à cet âge que je croyais en effet plus canonique que canon. Avec la chance de tomber, en effet, sur l'amour, amoureuse, qui est quand même la meilleure cohure de jouvence qui soit. Et aujourd'hui, les femmes de 50 ans, elles sont dans la séduction. Avant, les hommes de 50 ans, ils allaient se séduire des jeunes femmes à qui ils faisaient des enfants. Ils étaient obligés de se lever la nuit. Mais bon, comme ils avaient des problèmes de prostate, c'était pas grave. Comme ça, ils réglaient, ils donnaient le biberon en même temps. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est qu'ils se mettent à regarder les femmes de 50 ans et ils envisagent d'avoir des compagnes qui ont leur même tranche d'âge. Le mien, il a 56, 57. Le seul danger de votre livre, c'est faire croire à des gens jeunes, Stevie, Elsa, Michalak, que d'une certaine façon, ils ont encore la vie devant eux. Moi, je suis très frappé de voir que lorsqu'on a 20 ans ou 25 ans, on est en effet jeune, mais en même temps, il y a une urgence incroyable. Et qu'en racontant un peu trop que 50 ans, c'est le bel âge, que 60 ans, on n'est pas fini, qu'à 70 ans, on est en forme et 80 ans, c'est l'âge de Claude, en leur faisant croire que finalement, toute la vie est belle, ils ont le sentiment, je le vois souvent chez Stevie, le sentiment d'être immortel et que rien ne presse. Or, Stevie, il approche de la trentaine. Il approche de la trentaine et il y a des choses qu'il devrait peut-être faire avec un sentiment d'urgence qu'il ne fait pas. Bien sûr, mais moi, je n'ai pas vécu cette impatience-là avec sérénité et bonheur. Et en effet, je ne laisserai personne dire que 17 ans est le plus bel âge. Enfin, tout âge a ses plaisirs. Tout âge est bien. Tu m'as interpellé, Gérard, mais quelle urgence tu sens chez moi ? Rencontrer une femme, faire des enfants, te marier. Caro qui n'est pas cinquantenaire. Caro, quand j'avais 16 ans, je suis sortie avec un garçon. À un moment donné, il y a une fille qui est venue l'embrasser. J'ai dit à ma copine, quel âge elle a? Elle m'a dit 23 ans. Je fais, oh putain, c'est une vieille. Et je me suis dit, une trompe avec une vieille. J'avais 16 ans. Ça m'a beaucoup marqué parce qu'en vieillissant, en arrivant à 30, je me suis dit, quand j'avais 16, 23, c'était vieux. Alors, je vais vous proposer, Françoise, un petit quiz. Oui. C'est une liste de quinquas.
ça devrait vous griller avec pas mal de célébrités. C'est-à-dire, il faut dire s'ils le sont donc, pas. Il faut dire quinca ou pas quinca. Voilà, d'accord. On en voit le premier. Quinca, regardez. Sharon Stone. Alors, pas, elle, pas tout à fait. Si. Non. Elle d'abord, est... Françoise. Elle a eu 50 ans, non. Je crois. Elle a 48 ou 49. Ouais. Réponse, 49 ans, Sharon Stone. Elle n'est pas quinca. Enfin, de ce qu'on en sait. Non, mais de toute façon, elle est sublime. Mais il y en a pour de l'argent. Ah. Et ça balance. Il y a de la retouche. Qui met. Non, pas quinca. Quinca. Si, quinca. Pas quinca. Si, si, quinca. Si, quinca. 45. Quinca, pas quinca. Quinca. Réponse. 45. 46 ans. Oh. Mel Gibson, quinca, pas quinca. Oui, quinca, 52. 53. Non, alors, j'ai mis une protestation, votre honneur. Ouais, car la photo, là, la photo oui, mais la photo, elle a été prise en quelle année? Ah, on s'en fout, parce que de toute façon, les photos sont retouchées. Mel Gibson, il est de 55. Quinca ou pas quinca? 56. Je sais pas. Quinca. Autour. Réponse. 52. 51 ans, quinca. 51 ans. Ornella Muti. Ah oui, quinca. Oui, quinca. Oui. Quinca, bonne réponse. Alors là, ça m'intéresse, la pilule. Quinca. Ah, quinca. Oh, bah si, non. Si, 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 bien sûr, quinca. Quinca ou pas quinca? Bien sûr, quinca. Non, moi, je dis non. Bien sûr, non. Quinca. Alors, moi, je vais vous dire, elle est née la même année que moi, donc heureusement, elle a 51 ans. Bravo. Bon, c'est la suivante. Ah oui, quinca. 48. Il va les avoir. On va les avoir, là. Non mais moi ce qui me frappe c'est pas l'âge, c'est le temps qu'elle doit passer pour avoir des bras pareils à 49 ans. Ah bah oui, mais attends, elle fait du sport. Réponse 49 ans, elle est très belle Madonna. Ouais. Celui-là, quel âge il a? Ah, il n'est pas quinca. Mais non, il n'a pas quinca, il n'est pas quinca. Il a 47 ans, c'est le maximum. Ouais, il a 54 ans, 53. Mais non, 47. Et toi tu dis? Non, pas quinca. Mais non. Moi je dis. Réponse voilà. 49 ans. C'est perdu. Bambi, on regarde. À quinca, 1942. Octo. Octogénaire. Grand-père, Bambi. Bambi, réponse, il a 65 piges. Il ne fait pas. Il est temps de passer à la semaine de Françoise Laborde par Jérémy Michalak. Alors, Jérémy, lundi. Eh bien, Françoise, il faut le savoir, je vous ai suivi tout au long de cette semaine. Et lundi, après une matinée passée sur France 2, aux côtés du toujours dynamique et souriant William Lémergie, vous partez en direction de l'école de journalisme, dans laquelle vous donnez quelques cours. Et cette année, il faut bien l'avouer, qu'il y a un élève un petit peu atypique. Il est plus âgé que les autres, il est plus dissipé que les autres, et surtout, il est beaucoup plus con que les autres. Voilà, ça fait maintenant 43 ans qu'il essaie d'avoir son diplôme, il s'appelle Jean-Claude Le Boulet, aucun lien avec le nôtre de Boulet, Stevie, bref, il est vraiment super lourd, Jean-Claude, regardez. Voici Jean-Claude Le Boulet. Voilà, là il fait un petit reportage avec un garçon qui fait des sortes de structures, avec des petits morceaux de bois qu'on va découvrir, vous allez voir que Jean-Claude est vraiment très très lourd. Il a mis 2 semaines à le faire. Quel boulet ce Jean-Claude, vraiment. Et regardez, c'est horrible. Ce qui est drôle, c'est que le mec, il va partir dans le coin, il a 2 doigts de lui péter la gueule, et il s'en va un peu vexé. Regarde, le mec, il se casse, il s'en fout, il en peut plus, quoi. C'est horrible. Avec le cap du micro. Et le plus triste dans cette histoire, c'est que c'est pas un cas unique, ce Jean-Claude. Ils sont tous comme ça dans sa famille, ils veulent tous devenir reporters, et souvenez-vous, je vous avais déjà présenté sa sœur il y a quelques semaines. Ouais, c'est la famille. C'est la famille. Ah, c'est drôle. C'est horrible, mais c'est drôle. Mardi, vous avez rendez-vous pour donner des interviews au sujet de votre livre et un journaliste vous pose une question qui attire votre attention. La drague, est-ce que c'est encore mieux à 50 ans? Autrement dit, est-ce qu'elle aime bien quand on l'aborde, Françoise, l'aborde? Bon, parce que lorsqu'on est une jeune... Non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine, je vous assure. Parce que lorsque l'on est une jeune femme de 20 ou 30 ans et que bah, dans la rue, on se fait draguer à base de « Eh, mademoiselle, t'as pas une clope, s'il vous plaît ?» Bon, bah ça fait rarement plaisir. En revanche, il faut avouer qu'un prétendant qui sait mettre les formes pour séduire, même en pleine rue, même si c'est inattendu, eh ben, ça peut faire tomber les filles. La preuve. On a cherché, je vois.
mercredi, veille de l'été, saison du maillot de bain. C'est donc tout naturellement que vous avez réservé une séance chez l'acupuncteur. Bah oui, le seul qui arrive à vous faire perdre du poids, contrairement à tous les régimes que vous avez essayé sans le moindre résultat, c'est en tout cas ce que vous dites. Et vous avez raison, à chacun sa méthode. Et c'est vrai que bien souvent, un régime trop draconien risque de mettre votre estomac dans une sacrée colère et c'est pas vraiment recommandé. Vous voyez, cette jeune femme, elle va se priver. Elle se dit, bon voilà, voilà mon repas, il faudrait pas que je prenne un petit kilo avant l'été. Alors ça, ça me tente. Voilà, ça sera mieux avec celle-là. Avec la pince à épiler. Mais il y en a un qui est pas d'accord. Ah. Il a vraiment faim, son estomac. Alors jeudi, réunion à la rédaction de France 2, Arlette Chabot a décidé de changer radicalement la formule actuelle des journaux télévisés, à commencer par l'image des présentateurs. Elle vous dit qu'il faut être plus détendu, plus cool, plus déconne, et elle sait de quoi elle parle. Et pour vous aider à trouver le ton juste, elle vous incite d'ailleurs à prendre exemple sur les JT à l'étranger. Et vous allez voir qu'on déconne pas mal dans les journaux télévisés à l'étranger. C'est très con, mais c'est très drôle. Elle a regardé la tête du mec à gauche. Ah, il y a comme un problème. Le problème, c'est qu'il sait pas qui c'est le mec qui vient d'arriver à l'antenne. Et écoutez dans quelle langue il va parler, le mec à droite. And emergency unit in Newcastle now looks almost certain. C'est drôle. Alors eux, ils ont un problème avec leur caméra, ils ont un studio mobile, mais visiblement ils ont du mal à le maîtriser, regardez. Et enfin, pour terminer le clou du spectacle, regardez bien le présentateur météo. Vendredi, pour terminer la semaine, grosse mésaventure, Françoise, alors que la semaine se termine, en allant bosser, vous êtes tombée sur un os. Quelque chose d'à la fois rare et improbable. En effet, sur votre route, vous avez croisé un chien dépressif. Et oui, un chien dépressif qui a tenté de mettre fin à ses jours. Alors, on ne sait pas vraiment ce qui a motivé cet acte de désespoir, problème existentiel ou désillusion cani-affective. Toujours est-il que le pauvre animal avait décidé d'en finir avec cette chienne de vie. Et ça, c'est triste. Regardez ce pauvre caniche qui est prêt à se jeter dans le vide. Oh là là, le drame. Heureusement, un footballeur passait par là. Sauf que le footballeur, bah, il a des réflexes de footballeur, quoi. Bravo, Jérémy Michalak. Allez, Françoise Zabor, toujours avec nous pour C'est encore mieux à 50 ans. Dans votre livre, on lit qu'il y a des choses donc, qu'on ne peut plus faire à la cinquantaine, notamment qu'on n'apprendra jamais à danser le bebop. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Françoise, vous allez à 53 ans apprendre le bebop avec notre professeur qui va vous montrer les pas. Je vous demande d'accueillir Lionel Dequet et Léna Roumel. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que monsieur, j'imagine que vous êtes quinca.
Exactement, la même génération. Alors je vais demander, on a un quinquagénaire sur ce plateau, c'est Gérard Miller. Donc Gérard, il n'est pas trop tard. Mais non, tu vas aller prendre ta première leçon de bebop. Et évidemment, ma petite Françoise, tu vas aller avec Lionel Bequet. Et il va t'expliquer. Alors, je lui ai donné les bonnes chaussures. Je lui ai donné les bonnes chaussures. Est-ce que je peux me permettre quand même de dire que je n'ai pas besoin de leçon? Je souhaiterais qu'on me lance la musique. Bah allons-y, alors, essayons. Attends. D'abord, montrez des petits... Voilà. On a mis la petite dame à l'exercice, on va lui faire travailler les neurones avec l'entretien d'embauche de Gérard Miller. D'accord. Allez Gérard. Vous êtes une de nos plus brillantes journalistes, mais vous comprendrez que passé 50 ans, on soit obligé de vous faire repasser un test d'embauche pour être journaliste. On vient de connaître des élections présidentielles, législatives. Vérifions tout de suite où vous en êtes en politique. Comme vous l'avez remarqué, à l'Assemblée nationale, il y a peu d'ouvriers, mais il y a beaucoup de professions libérales. Eh bien, écoutez ma première énigme. J'ai rencontré, parmi les élus, un médecin à Paris qui a un frère avocat à Lyon. Eh bien, je peux vous dire que cet avocat à Lyon, lui, curieusement, n'a pas de frère à Paris. Comment est-ce possible? Un médecin à Paris, c'est une femme. Exactement, c'est une femme, bien sûr. Bravo. Ah, je suis contente. Vous comprendrez. Elle est contente, elle est contente. Vous savez évidemment que pendant l'élection législative, tout le monde avait les yeux tournés sur Paris parce que c'est très important de savoir si Paris restera à gauche aux prochaines municipales ou sera pris par la droite. Il y a 20 maires, évidemment, à Paris. Eh bien, moi, je vais vous poser une énigme. Écoutez-moi bien, j'ai derrière moi non pas 20 maires comme M. Delanoë, j'ai derrière moi 25 de mes semblables, et pourtant il suffirait que je ne sois pas là pour que Paris soit pris. Qui suis-je? La prise de la Bastille. Alors attends, ne répondez pas, ne répondez pas, certains ont trouvé. Les lions sont entrés dans... Paris. Non. Il suffirait que je ne sois pas là pour que Paris soit pris. C'est parce que les arrondissements ne correspondent pas au... C'est très simple, c'est une jolie petite énigme. Qui sont mes semblables? Si vous trouvez mes 25 semblables, vous aurez trouvé la réponse. Je l'ai crié en plus. C'est des lettres? Ce sont les lettres de l'alphabet, je suis le A. Regardez Paris, évidemment. Sans le A, si je n'étais pas là, regardez ce que deviendrait Paris. Paris deviendrait pris. Bien sûr. Je serais pris. Bravo. Voilà, Françoise. C'est le moment que nous redoutons tant, puisque c'est le moment de se séparer. Oh, c'est trop triste. Alors, c'est tellement bien. Je rappelle que vous étiez notre invité ce soir pour votre livre « C'est encore mieux à 50 ans » aux éditions Fayard. C'est un livre que je recommande à toutes les jeunes femmes de nos âges. Oui. Vous allez vous marrer, vous allez aussi trouver des raisons de trouver ça sympa. Oui. Et tu veux conclure, Christine, il y a une très belle citation de Victor Hugo au tout début du bouquin. Alors vas-y, conclusion de Jérémy Michel. 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, mais 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse. Victor Hugo. Super, bravo, merci. Merci François, je n'oubliais pas Laurent Ruquier ce soir. Et on se retrouve pour la dernière.